La ville de Goyave et le Pôle emploi s'associent pour présenter le Forum des métiers en uniforme. Le forum a été concrétisé par la signature d'une convention de coopération entre la ville de Goyave et le Pôle emploi de Petit-Bourg. La commune de Goyave s'engage contre le chômage. C'est le premier Forum des métiers en uniforme. Et nous sommes résolument décidés à lutter contre le chômage. 35% de taux de chômage à Goyave, c'est inadmissible. Et nous avons, pendant ces dernières années, redressé la situation de la commune, engagé une politique pour la réussite scolaire, engagé une politique sportive toujours pour la jeunesse, engagé aussi une politique pour des investissements structurants. Maintenant, on s'attaque à ce fléau. Bon, je ne parle pas de l'environnement. On s'attaque à ce fléau qui est le chômage et nous donnons 5 ans pour retrouver le plein emploi à Goyave. Tu t'es rendu compte que les métiers en uniforme, mais on pourrait dire que c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Donc il y avait pas mal d'offres d'emploi et donc très peu de demandeurs d'emploi formés qui connaissaient le métier. Donc effectivement, avec les partenaires, on a voulu faire découvrir un peu ces différents métiers, les opportunités de carrière, les différents modes de contact et également aider les demandeurs d'emploi dans leur orientation professionnelle, dans leur comment définir leur projet, et aussi il y a aussi la possibilité de travailler vers l'international et même dans les Caraïbes. Ce sont des métiers d'avenir. On peut penser à un moment donné que ce sont des métiers classiques, mais en réalité non, ce sont des métiers qui sont modernes, qui n'ont pas subi l'obsolescence du temps, qui sont adaptés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont adaptés également aux exigences environnementales. Donc ce sont vraiment des métiers qui sont d'avenir et qui ont la particularité, c'est de pouvoir développer une bonne technicité. Et en même temps qu'on développe la technicité, on est sur des métiers de proximité avec la population. Cette manifestation organisée en partenariat avec le Pôle emploi de Petit-Bourg a pour objectif de mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les administrations pour qu'ils puissent s'informer sur les métiers, les missions ou encore les dates de concours.